Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les familles de deux victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob portent plainte pour empoisonnement. Une première en France. Une information judiciaire sera ouverte pour déterminer les éventuels responsables en France et en Grande-Bretagne. L'Italie impose un embargo sur le bœuf français pour les bovins de plus de 18 mois. Parallèlement, les farines animales sont interdites. L'inquiétude des éleveurs français. Autre première judiciaire, la Cour de cassation indemnise un handicapé de 17 ans dont la mère n'a pas fait l'objet d'une interruption volontaire de grossesse thérapeutique, une décision basée sur l'erreur de diagnostic prénatal. Bill Clinton au Vietnam, un discours retransmis en direct à la télévision, le président américain évoque les morts de la guerre et la difficile question des droits de l'homme. L'affaire de la vache folle se déplace sur le plan judiciaire avec pour la première fois en France cette plainte pour empoisonnement déposée ce matin par les familles de deux victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Une plainte contre X devrait aboutir à l'ouverture d'une information judiciaire. Les parents d'Arnaud Eboli, un jeune homme de 19 ans en phase terminale, ne veulent plus se taire. Ils disent leur détresse, dénoncent l'isolement dans lequel on les a laissés. Françoise Vallet, Benoît Thévenet et Patrick Desmulli. Cette association est vraiment composée que de gens qui ont perdu des êtres chers par rapport à... C'est pas une association comme ça... Manifestement ému, le frère de Laurence, jeune femme décédée en février dernier, et les parents d'Arnaud, 19 ans, actuellement malade de la variante de Creutzfeldt-Jakob, ont expliqué les raisons de leur plainte. Les familles accusent la Grande-Bretagne d'avoir exporté des produits contaminés qu'elle avait interdits sur son propre territoire. Elle reproche également aux autorités françaises et européennes d'avoir, entre 86 et 96, sciemment minimisé le risque et de ne pas avoir pris de mesures efficaces contre la contamination. Et cette plainte repose essentiellement sur des documents publics, des rapports d'enquête, aussi bien britanniques que ceux du Parlement européen en 1997 ou certains rapports d'information français. En début de matinée, les familles, soutenues par l'Association française des transfusés et l'Association des victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, s'étaient rendues ensemble au palais de justice de Paris pour déposer leur plainte. L'occasion pour elles d'exprimer aussi la détresse morale dans laquelle elles se trouvent. Depuis 14 mois, on est lâchés dans la nature. On s'occupe d'Arnaud tant bien que mal. On vit ça au jour le jour et... Comme on nous a donné aucun descriptif sur l'évolution de la maladie, donc on fait avec, quoi. Ce qu'on voudrait, c'est que les responsabilités soient définies et que ça ne puisse plus se reproduire. Bon, il y a déjà eu le sang contaminé, les hormones de croissance, maintenant il y a ça. Donc on voudrait que les politiques se rendent compte quand même que quand ils ne prennent pas les bonnes décisions, mais il y a des vies derrière qui sont en jeu. En attendant une décision de la justice, les familles ont demandé une aide d'urgence pour faire face au quotidien à la maladie. Et ces deux familles des victimes ont demandé à être reçues par Jacques Chirac et Lionel Jospin. Le chef de l'État, qui à propos de ce recours en justice évoque une sorte d'appel à l'aide. Cette plainte pour empoisonnement rappelle l'affaire du sang contaminé, même si de nombreuses différences subsistent entre les deux dossiers. Mais néanmoins, les pouvoirs publics français se trouvent de nouveau mis en accusation dans un domaine de santé publique. Dominique Verdeillan. C'est le 21 mars 88 que la première plainte a été déposée dans l'affaire du sang contaminé. Mais il faudra attendre plus de 3 ans pour l'inculpation du docteur Garetta. Le 13 juillet 93, la cour d'appel de Paris condamne l'ancien directeur du CNTS à 4 ans de prison pour tromperie sur la qualité des produits. Depuis, la justice a jugé les 3 anciens ministres, 2 relax et une condamnation de principe. Mais surtout depuis, des juges ont rouvert le dossier. 30 personnes ont été mises en examen, dont certaines pour empoisonnement, un crime. C'est le 29 décembre prochain que la chambre d'accusation de Paris dira si le 3e procès de l'affaire aura lieu devant les assises ou devant un tribunal correctionnel. Nantes, Coutances, Paris, plusieurs juges instruisent des dossiers liés à la vache folle. Depuis 1997, à Paris, c'est le juge Édith Boisette qui est chargé de mettre à jour des fraudes supposées dans les importations de bovins et de farine animale. Le juge a mis en examen des intermédiaires pour blanchiment en bande organisée. Prochainement, un autre magistrat se verra confier la plainte pour empoisonnement, mais pour Maître Nora, déjà avocat dans l'affaire du sang contaminé, il y a une évidente similitude. Dans le dossier du sang,
On n'a pas mis en place le test de dépistage. On n'a pas mis en place le chauffage. On a permis l'écoulement des stocks de produits contaminants. Dans le dossier de la vache folle, on n'interdit pas la consommation des abats alors qu'on sait qu'ils sont dangereux. Empoisonnement toujours dans l'hormone de croissance. L'instruction a débuté en 1991. Deux responsables de la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris ont été mis en examen pour empoisonnement en 1997. La justice leur reproche d'avoir écoulé des lots d'hormones contaminés. L'instruction de cette plainte contre X dans l'affaire de la vache folle s'annonce bien évidemment très complexe. Alors au-delà de la portée symbolique, que peuvent attendre les familles des victimes, Dominique Verdaillan ? Écoutez, une simple plainte pour empoisonnement donne à ce dossier une dimension humaine. Le dossier de la vache folle n'est plus simplement une affaire de trafic de viande, une escroquerie. La justice va devoir prendre en compte une autre donnée, la maladie, la mort, qui sont peut-être liées à ces contaminations. Les victimes entrent dans un dossier qui, pour l'heure, était essentiellement économique, agricole et politique. Ici, il s'agit d'un crime puni de 30 ans de réclusion, voire de la perpétuité dans certains cas. Alors pour les juristes, la notion d'empoisonnement nécessite deux obligations. La connaissance du pouvoir mortifère du produit incriminé et la volonté de tuer. Cette qualification est-elle applicable dans le dossier du sang contaminé ? La Cour de cassation n'a toujours pas tranché et elle ne le fera pas avant la fin 2001. Et désormais, l'avenir des plaintes aujourd'hui d'empoisonnement dans le dossier de la vache folle en dépend. Les victimes de la vache folle viennent de rejoindre celles du sang contaminé dans un laboratoire, dans un labyrinthe judiciaire. Merci Dominique Verdaillan. Et puis, concernant un quatrième cas suspect de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, il est impossible de dire avec certitude l'origine de la maladie. Ce soir, on attend les premiers résultats des examens pratiqués sur cette femme de 40 ans qui a accouché en urgence il y a quelques jours. Et voilà que l'Italie interdit désormais l'importation du bœuf français, tout comme l'utilisation de farines animales. Cet embargo est un nouveau coup dur pour les éleveurs français, même s'il ne concerne que les bovins de plus de 18 mois. Florence Griffon, Christophe de Valembrasse. L'Italie a peur et c'est la France qui en fait les frais. Sur ce marché romain, le bœuf français est déjà introuvable. Les importations de vaches adultes et de viande de bœuf sont désormais interdites sur tout le territoire. La viande française, je la connais. La viande française, elle n'est pas bonne. Aussi que j'ai peur. Du coup, je n'en mange plus. Je mange du poulet. Et c'est en tout cas un mauvais coup pour la France. Elle réalisait en Italie le quart de ses exportations, c'est donc terminé. L'Italie qui suit ainsi l'exemple de l'Espagne et de l'Autriche. L'Europe apparaît donc de plus en plus divisée face à la vache folle. À ce jour, seule la Grande-Bretagne, précurseur, la France, le Portugal et l'Italie ont décidé une interdiction totale des farines animales. Victime de cet imbroglio européen, les éleveurs français, comme ici ceux du Limousin. Leurs clients italiens n'ont pas attendu l'interdiction pour refouler les carcasses. On peut dire que depuis 15 jours, même si il n'y avait pas eu de décision politique au niveau du gouvernement italien, nous, commercialement, on avait déjà un embargo. De fait, étant donné que cette semaine, plus rien ne partait sur l'Italie en carcasse. Pour toute la filière bovine, la psychose avait déjà fait chuter les ventes de 40%. Le spectre d'une fermeture des frontières met un peu plus en péril toute une profession. Et ceci nous ramène en France où 4 nouveaux cas de vaches folles ont été décelés, dont un cas dans la Loire, dans l'un des plus importants troupeaux de vaches laitières du département. L'ensemble des animaux sera abattu dans les jours prochains. Nouvelle passe d'armes qui égratigne la cohabitation. Le dossier de la vache folle alimente la polémique entre le chef de l'État, qui était aujourd'hui en Corrèze, et le Premier ministre, Jeff Wittenberg, Véronique Saint-Olive. S'il y avait un déplacement soigneusement préparé par l'Elysée, c'était bien celui-là. La Corrèze, berceau de la race limousine, la Corrèze où pas un cas de vache folle n'a encore été détecté, et surtout la Corrèze, bastion historique de Jacques Chirac. Aujourd'hui, le président était donc en terrain conquis, aux petits soins pour les éleveurs, attentif à leurs demandes d'indemnisation. L'occasion une fois de plus pour le chef de l'État de faire la leçon au gouvernement Jospin en lui expliquant comment, selon lui, il faut gérer la crise. Je suppose que l'on prenne les mesures indispensables pour tenir compte des difficultés connues par la filière, non seulement les éleveurs mais toute la filière, et que l'on mette en place le plan de production de protéines végétales. Bref, un motif d'agacement de plus pour le Premier ministre. Lui aussi en province aujourd'hui, lui aussi désireux de parler de la vache folle, car Lionel Jospin n'a toujours pas digéré l'initiative de Jacques Chirac, qui le premier a demandé l'interdiction des farines animales. Je pense que la façon dont les choses se sont passées n'a pas été maîtrisée comme elle aurait dû l'être. On aurait dû dire, nous avons déjà le système le plus protecteur, notre viande bovine est saine, nous pouvons en manger sans problème,
Et là, on aurait construit quelque chose de positif. Au contraire, en posant cette question, de la façon dont ça a été fait, on a, d'une certaine façon, décrédibilisé notre système. Tout le monde a compris qui visait le « on » employé par le Premier ministre. C'est le troisième accro sérieux en moins de 15 jours. La crise de la vache folle fait décidément monter la fièvre au sein de la cohabitation. Un mot de politique enfin avec les nouvelles déclarations de Jean Tiberi concernant la fin de son amitié avec Jacques Chirac. Pas de menace ni de chantage pour le maire de Paris qui veut se placer uniquement sur le plan affectif et qui prend acte du refus du président de la République de le recevoir, comme d'ailleurs les autres candidats aux municipales. Une autre première judiciaire avec la décision de la Cour de cassation d'indemniser un adolescent de 17 ans gravement handicapé dont la mère n'avait pas fait l'objet d'une interruption volontaire de grossesse thérapeutique. Le cas de Nicolas avait été largement évoqué ces derniers jours. Les magistrats ont tranché en s'appuyant exclusivement sur l'erreur médicale, le diagnostic prénatal de la rubéole sur la mère n'ayant pas été détecté. Pour autant, il n'est pas question d'éthique, la Cour de cassation ayant contourné la question du droit à ne pas naître. Florent Muller, Bernard Pucesseau. La Cour de cassation a penché pour le droit et rien que le droit. Nicolas Pérus sera indemnisé car on l'a laissé naître handicapé. Un médecin n'avait pas su diagnostiquer la rubéole dont sa mère était atteinte pendant sa grossesse. Sans cette erreur, elle aurait choisi d'avorter. Nicolas est né sourd, malvoyant, avec de lourds troubles neurologiques. Il a aujourd'hui 17 ans. Depuis 14 ans, ses parents, en son nom, exigeaient du médecin une indemnisation. Je suis heureux pour Nicolas parce que... Peut-être que Nicolas aura son avenir d'assuré. La Cour a choisi de réparer le préjudice dans cette affaire bien précise. La Cour de cassation ne s'est pas laissée convaincre par l'argumentation philosophique, morale, métaphysique sur l'avortement. Elle a tranché en droit positif, en droit de la responsabilité, et on peut l'approuver. Et je voudrais simplement maintenant ajouter un mot. C'est que cette solution est parfaitement humaine. Une solution certes généreuse, mais qui suscite bien des questions. Vouloir venir en aide aux handicapés est une préoccupation parfaitement légitime. Mais pour autant, faut-il le faire en passant par le postulat que leur vie ne mérite pas d'être vécue? Faut-il leur imposer ce postulat avant de leur venir en aide? La justice est passée, mais le débat éthique, lui, subsiste. Qui peut se prévaloir d'un droit d'être né ou de ne pas être né avec un handicap? Y a-t-il un préjudice de naître avec un handicap, voire de vivre avec un handicap? Nicolas et ses parents devront patienter encore plusieurs mois pour connaître le montant de l'indemnisation qui sera déterminé par la Cour d'appel. Que faire des chiens d'attaque et notamment des pitbulls considérés comme chiens potentiellement dangereux? Apparemment, il n'y a pas de réponse claire à la question puisqu'une circulaire émanant du ministère de la Justice affirme que l'euthanasie n'est pas nécessairement la seule solution. Au même moment, les refuges de la SPA de Mulhouse ne veulent plus recueillir ces animaux. Le point avec Fanny Auvergne et Jean-Paul Chausset. C'est ce pitbull qui est à l'origine du ras-le-bol de la SPA de Mulhouse. Tyson, 11 mois, a agressé sauvagement lundi dernier l'agent qui venait le nourrir. Bilan, de graves morsures aux cuisses et aux avant-bras. Dans ce refuge, un tiers des animaux accueillis sont des pitbulls dangereux, placés par le juge. Et cela, le directeur n'en veut plus, ni même des maîtres qui viennent les réclamer. J'ai déjà été moi-même un témoin de l'agressivité de propriétaires qui voulaient à tout prix récupérer leur chien. C'est-à-dire qui vous menace, qui menace, pas qui nous frappe, mais bon, si ça devient trop important, trop dangereux, automatiquement on fait appel aux forces de l'ordre. Et ça s'est déjà fait? Ça s'est déjà fait plusieurs fois. Pour éviter ce genre d'incident et désengorger les chenils, certains procureurs, comme à Versailles, ont adopté une position ferme. L'euthanasie des chiens contre l'arrêt des poursuites visant les maîtres. Dans ce contexte, la dernière circulaire du ministère de la Justice tombe mal. L'euthanasie peut être, dit-elle, mais en dernier recours et sous l'autorité d'un juge. Les magistrats doivent apprécier, situation par situation, la solution que la loi a prévue. Et la solution de la loi, elle est alternative. Ça va de l'euthanasie, bien entendu, jusqu'à la remise au propriétaire. Une position qui inquiète les responsables de la SPA. Ils craignent un ralentissement de la procédure.
En 6 mois, la SPA a dû accueillir 925 molosses dans ses chenils, un chiffre en constante augmentation. Dans le Loir-et-Cher, un élève d'un lycée professionnel, un établissement issu jusqu'à présent épargné par la violence, cet adolescent de 16 ans a agressé le proviseur armé d'une planche cloutée. Manifestation de protestation devant la mairie de Vendôme cet après-midi. Pas d'inquiétude concernant la santé de l'enseignant, mais beaucoup d'émotions. Le verdict de la Cour d'assises spéciale de Paris qui a prononcé des condamnations de 30 et 20 ans de réclusion assorties d'une période de sûreté à l'encontre de Boulem Ben Saïd et de Karim Koussa. Le point avec Pascal Doucet-Bon et Jacques Gérard. 3h30 de délibéré pour un verdict en forme de demi-surprise. 30 ans de réclusion pour Boulem Ben Saïd, considéré comme le principal organisateur vivant des attentats de 1995. Les policiers ont retrouvé ses empreintes sur la bombe qui n'a pas fonctionné au passage du TGV Paris-Lyon. Boulem Ben Saïd est en revanche acquitté dans sa deuxième affaire, celle de la fusillade de Bron. Seuls des témoignages le mettaient en cause, très indirectement. Notre client a été acquitté sur un des deux dossiers dans lequel il était poursuivi, ce qui est la reconnaissance que, dans certaines circonstances, les dossiers ne sont pas suffisamment instruits. Karim Koussa, lui, était à Bron. C'est en tout cas ce que pense la Cour. Les témoignages le concernant étaient plus nombreux et moins imprécis. L'ami de Khaled Kelkal était aussi accusé dans un autre dossier, celui de la fusillade du col de Malval, lorsqu'il avait tiré sur les gendarmes avant d'être blessé à son tour. La Cour l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Karim Koussa n'a pas bronché à l'énoncé du verdict. Quant à Boulem Ben Saïd, il a esquissé un petit sourire. Ce procès n'est certainement pas le dernier pour lui. Il est mis en examen dans 2 autres dossiers terroristes. En Autriche, ces images du funiculaire dans lesquelles 155 personnes ont trouvé la mort samedi dernier. Voici ce qu'il en reste. À peu près rien de la cabine qui a été consumée par l'incendie. Aujourd'hui, cérémonie dans la cathédrale de Salzbourg en présence de Gerhard Schröder, le chancelier allemand, et d'autres représentants officiels des pays concernés. Quelques 3000 personnes étaient présentes, dont bien sûr les parents des victimes. La visite de Bill Clinton au Vietnam, une visite historique marquée par une allocution devant les étudiants de l'université de Hanoï. Ce discours, retransmis en direct à la télévision, est une première. Le président américain a rendu hommage à tous les morts de la guerre, sans pour autant présenter des excuses au Vietnam, faisant au passage une allusion claire à la question des droits de l'homme. Philippe Rochaud. La police vietnamienne avait comme instruction de ne pas faire plus de zèle pour Clinton que pour n'importe quel autre chef d'État. Mais dans les rues de Hanoï, les curieux étaient plus nombreux que pour d'autres visites officielles. 25 ans après la guerre, l'Amérique fascine les Vietnamiens et les Vietnamiens fascinent l'Américain Clinton. Quand il se rend au temple de la littérature où le Vietnam impérial formait autrefois les mandarins, on ne note aucune manifestation d'hostilité. Je suis heureuse car ce voyage renforce nos liens avec les États-Unis et il adoucit la douleur causée par la guerre. Les soldats de cette armée vietnamienne qui ont vaincu la première armée du monde ont salué le président américain, comme ils saluent n'importe quel autre chef d'État. Les anciens combattants vietnamiens avaient le cœur gros, mais ils acceptent de tourner la page. Pendant la guerre, on était face à face, fusil contre fusil. On était des ennemis avec les Américains. Mais maintenant, selon la tradition, on est devenus des amis. Et Bill Clinton a pu le constater quand il s'est rendu à l'université d'Hanoï. Les étudiants lui ont même crié « On veut plus de bourses pour aller étudier aux États-Unis ». Bill Clinton a profité de l'ambiance pour glisser quelques phrases sur les droits de l'homme. « Notre expérience nous a appris que l'on peut garantir le droit à la religion et à la dissidence politique sans menacer la stabilité du pays », a-t-il dit. Le pouvoir communiste appréciera, mais il appréciera aussi l'hommage de Clinton aux victimes vietnamiennes de la guerre. Bill Clinton va se rendre sur un site où l'on recherche encore les restes d'un pilote de bombardier B-52 abattu en 67. Aucun pays au monde, a-t-il dit, n'a jamais fait ce que nous faisons avec les Vietnamiens pour retrouver les traces de nos soldats disparus.
Aux États-Unis, le résultat des votes en provenance de l'étranger sera annoncé demain, alors que le feuilleton judiciaire du décompte des voix de Floride se poursuit avec aujourd'hui la décision d'un juge de l'État de ne pas prendre en compte ces dépouillements manuels des voix en cours. Cette décision constitue une défaite pour les démocrates, qui ne se laissent pas démonter pour autant, puisqu'ils viennent d'annoncer qu'ils vont faire appel devant la Cour suprême de Floride. Situation totalement ubuesque, alors que George W. Bush se dit prêt à se proclamer président des États-Unis, même si les décomptes continuent dans certains comtés. Pour sa part, Al Gore, le vice-président démocrate, a décidé de contester et donc de faire appel de toute annonce des résultats demain. Reportage de notre envoyée spéciale à Palm Beach, Isabelle Béchler. Certains journalistes n'en croient pas leurs oreilles, d'autres attendent placides de nouveaux développements. Les stars s'apprêtent à commenter l'incommentable, anticipent la prochaine action, le prochain recours, le prochain appel, le prochain méandre politico-juridique. Pendant que les fonctionnaires comptent toujours les bulletins dans le bâtiment, les réactions démocrates commencent à se faire entendre. J'espérais une décision contraire, mais je ne suis pas surpris. Il est évident que cela se terminera devant la Cour suprême des États-Unis, de Floride. La commission électorale, qui pense avoir perdu déjà bien trop de temps à cause de procédures précédentes, ne se laisse pas impressionner. On a même interdit aux compteurs et à leurs observateurs politiques de parler dans la salle pour aller plus vite. Seul mot autorisé, objection, si l'un ou l'autre n'est pas d'accord avec le sort réservé à un bulletin. La pile des cartes litigieuses augmente d'ailleurs au rythme d'un recomptage particulièrement déterminé. Bien sûr, je suis déçu, mais je pense que les juges font de leur mieux pour être impartiaux, celui-là comme les autres, mais il faut faire appel de toute façon. Il s'avère que le prochain président a été désigné à la va-vite, je peux vous dire que les quatre années de son mandat ne seront pas courtes. Le découragement ne semble pas avoir atteint les scrutateurs. Ils continuent stoïques le dépouillement des votes du comté de Palm Beach sans se sentir spécialement trahis par une décision judiciaire de plus. Logiquement, à l'américaine, ils attendent que le camp démocrate fasse appel. Enfin, au Texas, l'exécution prévue d'un handicapé condamné en 81 pour le viol et le meurtre d'une jeune femme. Cette exécution a été suspendue. La Cour suprême des États-Unis est intervenue tout juste 2h30 avant l'injection mortelle. Une exécution qui avait soulevé de très nombreuses protestations internationales et celles d'une partie de la presse américaine. En Indonésie, un Français a été condamné à la prison à vie pour avoir entré à Bali près de 4 kilos de haschich. Michel Blanc, âgé de 27 ans, risquait la peine de mort. Aujourd'hui à Paris se tenait un colloque organisé par le comité contre l'esclavage en question le trafic des êtres humains et notamment les réseaux de prostitution de jeunes femmes venant des pays de l'Est. Dans le sud de l'Italie, un prêtre a créé un centre qui accueille et protège ces femmes. Reportage Yasmina Farber, Nadine Picard. C'est le village de Don Cesare, un centre qui recueille 500 immigrants clandestins en attente de papiers. À l'intérieur de cette enceinte, un peu à l'écart, le curé a créé une aile spéciale destinée aux prostituées de l'Est. Elles sont de plus en plus nombreuses à passer la frontière. La loi italienne prévoit d'aider les jeunes femmes qui collaborent avec la justice. Nous avons créé cette structure unique où les femmes sont récupérées, protégées. Ici, elles ont le choix de travailler ou de rentrer dans leur pays. Elles peuvent récupérer leur équilibre moral et tout ce que les hommes leur ont purement et simplement volé. Le centre Regina Pakis n'est qu'à 40 000 des côtes de l'Albanie. C'est le passage obligé des femmes russes, moldaves ou ukrainiennes. Certaines sont interpellées dès leur arrivée en Italie, d'autres sont arrêtées quelques mois plus tard dans les villes du Nord, où elles étaient contraintes de faire le trottoir. Pour fuir la misère en Ukraine, Tania a été naïve. Ils nous disaient des mensonges, que nous allions faire des travaux domestiques ou être serveuses. Je me disais, pourquoi pas? Et puis quand on arrive en Albanie, on comprend ce qui nous attend en Italie. Toutes ont eu le courage de dénoncer leur proxénète albanais. Cette collaboration avec la justice leur assure la protection des carabiniers et un sésame pour une vie meilleure, le permis de séjour de 6 mois. Depuis un an, 80 jeunes femmes ont témoigné. Les procès se multiplient. C'est le nouveau cheval de bataille du procureur Motta, un juge anti-mafia. Ces femmes
achetées et vendues subissent des violences à chaque passage de propriété. Elles sont vraiment traitées comme des marchandises. Et comme les objets, comme la drogue, leur valeur augmente au fur et à mesure que l'on se rapproche du marché. Tania et Luda ont échappé au trafic, retrouvé une vie normale, un travail qui leur permet d'envoyer de l'argent à leurs proches. Elles n'ont qu'un objectif, rester définitivement en Italie. Aux États-Unis, une amende sans précédent qui se chiffre en dizaines de millions de dollars à l'encontre de la firme Coca-Cola qui aurait pratiqué la discrimination raciale à l'égard de certains de ses cadres. Étienne Lénard. Une compagnie bénie des dieux. C'est en ces termes que plusieurs employés du groupe Coca-Cola étaient venus il y a quelques mois à Washington porter sans rancune sur la place publique le différent qui les opposait à l'une des marques les plus célèbres du monde. Promotions internes refusées, licenciements abusifs, disparité salariale à la tête du client, tous accusant le groupe de discrimination raciale et chacun apportant à la plainte collective son expérience personnelle. J'ai travaillé très dur pour prouver que je pouvais faire ce nouveau boulot. Mais la place a finalement été offerte à une collègue blanche qui, elle, n'avait ni mes diplômes ni mon expérience. Le groupe Coca-Cola avait toujours nié ces accusations, mais hier, ses dirigeants ont accepté de passer un accord financier avec les plaignants. Un accord colossal, près d'1,5 milliard de francs en indemnités compensatrices, en frais d'avocat, en programme d'embauche. Jamais sur le sol américain, une entreprise n'aura versé autant d'argent pour une affaire de discrimination raciale. Pour le nouveau patron du groupe, arrivé l'année dernière, c'est aussi implicitement un moyen de tirer un trait sur le passé. Toute forme de discrimination, disait hier soir Douglas Daft, qu'elle soit involontaire, tolérée ou simplement ignorée, n'a pas sa place dans le groupe Coca-Cola. C'est qu'en termes d'image, l'entreprise jouait gros, il devenait franchement périlleux en effet de vendre ses produits sur les 5 continents à grand renfort de pub, tout en étant soupçonné de payer plus ou moins certains de ses employés selon la couleur de leur peau. En France, la SNCF a étudié très sérieusement la possibilité de privatiser certains services dans les gares. Un projet officiellement abandonné par la direction, mais les syndicats restent vigilants. David Boëry, François Granier. Accueil, vente de billets, animation commerciale, autant de services qui demain pourraient être confiés à des entreprises privées. C'est en tout cas ce que propose une étude interne de la SNCF. Ce document de travail de la direction des gares examine la répartition des tâches entre la SNCF et un opérateur, et ses incidences sur l'organisation du personnel. Du personnel SNCF mis à la disposition d'opérateurs privés. Réaction immédiate à la CFTC, syndicat qui a découvert l'existence de cette étude. C'est un début de privatisation de l'entreprise. Et si vous voulez, le métier de cheminot existe. Nos personnels sont formés à la vente, sont formés à l'accueil, sont formés au renseignement. Nous avons un potentiel de professionnels. Je ne vois pas pourquoi on irait chercher un opérateur privé. Pour tester ce projet, la SNCF a sélectionné une petite dizaine de gares régionales autour de Lille, Strasbourg, Lyon et Metz-Nancy. Mais du côté de la direction, on minimise. Il ne s'agit que d'une étude parmi d'autres. À la SNCF, la privatisation, c'est impossible. Aujourd'hui, on réfléchit à toutes les bonnes idées qu'il peut y avoir sur l'organisation des gares. C'est pour ça d'ailleurs que nous regardons ce qui se fait dans les pays étrangers, et notamment dans les chemins de fer qui ont choisi des solutions originales, et notamment aux Pays-Bas. Mais c'est le choix de la SNCF, et c'est de sa responsabilité, que de dire qu'elle ne souhaite pas privatiser les services dans les gares. Pour l'instant, le projet est purement et simplement abandonné. Pour rester concurrentiel, le service public devra donc expérimenter d'autres voies. Du rugby avec le match demain attendu à Marseille. Le 15 de France affrontera une nouvelle fois les All Blacks avec une seule idée en tête, la victoire. Après les revers de ces derniers 15 jours, Julien Beaumont, Grégoire Usina. Attendez. Au doigt et à l'œil, Bernard Laporte dirige ses entraînements d'une poigne de fer. Une méthode pour hisser l'équipe de France vers le haut niveau. Une méthode chargée de discipline, de rigueur et de beaucoup de travail. Un électrochoc pour le rugby tricolore. Cette tactique, Laporte n'est pas allé la chercher bien loin. Parmi ses modèles, les All Blacks, bien sûr. Ils ont l'habitude de matchs de haut niveau et ils ont, j'ai envie de dire, une réflexion sur le jeu, tant individuelle que collective, qu'on n'a pas. Que l'on n'a pas aujourd'hui. Dépité, mais pas démoralisé.
Devant l'ampleur du travail, Bernard Laporte a mis les bouchées doubles. Dans sa ligne de mire, les fautes commises par les Français ou les balles perdues. Et pour se faire comprendre, il n'hésite pas à donner de la voix. Non ! On commence à disputer au fond ! Qu'est-ce que ça merde ? Le ton monte, normal. Demain, l'enjeu est de taille. Une nouvelle défaite et c'est tout le système Laporte qui pourrait se fissurer. Pourtant, côté All Blacks, on a déjà noté quelques changements dans le camp français. En regardant leurs 6 ou derniers matchs, techniquement, ils ont changé à chaque rencontre. Je dois dire que Bernard Laporte apprend vite et analyse très bien les phases d'opposition. Côté néo-zélandais, leur entraînement n'aura duré que 15 minutes. Sur les terres de l'OM, ils se sont laissés aller à quelques tirs au but, mais l'honneur est sauf, le ballon était ovale. Aujourd'hui à Stuttgart, remarquable vente aux enchères de ces milliers de pièces de porcelaine découvertes l'an dernier sur les restes d'une épave qui a sombré il y a presque 2 siècles en mer de Chine. Portrait de ce chasseur de trésors, un Australien qui consacre sa vie à l'exploration sous-marine, Sébastien Leguay et Joseph Bastik. Rien à dire, c'est une star. Au-dessus des catalogues ouverts qui attendent sa griffe ou devant les caméras qui se repaissent de toutes ses coquetteries. Mike Hatcher, le découvreur, l'inventeur du texting dont on liquide aujourd'hui la cargaison. Le capitaine australien est aux premières loges d'une des plus grandes ventes aux enchères du monde. C'est un coup de poker. On devra attendre la fin dans 10 jours pour voir le résultat. En tout cas, personne n'a jamais fait une telle vente. Il y a un an, en pleine mer de Chine, Mike Hatcher inscrivait une nouvelle épave à son tableau de chasse. 350 000 objets sortis des sables où il dormait depuis 2 siècles avec le souvenir de 1600 naufragés. Comme un vieux loup de mer dans un magasin de porcelaine, il assure aujourd'hui la promotion de la vaisselle. C'est quelque chose de très pratique dans la vie quotidienne. Et puis, si vous mangez dans ce bol pendant le dîner, ça vous donne un vrai sujet de conversation. Ce genre de discours a le don d'irriter les archéologues. Pour eux, c'est une affaire de gros sous, rien à voir avec l'histoire. Hatcher s'en tire avec un sens du compromis remarquable. J'aime l'histoire. Les affaires, c'est bien aussi. Par chance, c'est moi qui ai fait la partie historique et la plongée. La paperasse, ça ne me concerne pas. Cette basse besogne le concerne quand même un tout petit peu. À la fin de la vente, c'est sûr, l'aventurier n'oubliera pas de toucher son pourcentage. Magnifique exposition présentée au Louvre. 2000 ans de création inspirée par des œuvres de l'Antiquité. Rubens, Ingres ou encore Rodin, mais aussi Magritte ou Dali y ont puisé leur force. Daniel Wolfram, Daniel Lévy. Le combattant grec inspire l'étudiant japonais. L'attitude est classique depuis 2000 ans. L'art antique fascine ceux qui ont la patience d'observer. Au-dessus de l'exposition, le gros des visiteurs fait le Louvre, comme on ferait les grands magasins, se souciant plutôt de ramener des souvenirs que de s'imprégner du mystère des œuvres. Ici, au contraire, cette Vénus de Milo, si étrange, est mise en perspective par tous les artistes qui l'ont copié, plagié, détourné. Plâtre multicolore de René Magritte ou pied de nez de Salvador Dali à l'art antique. L'artiste, enfin, me semble-t-il, essaie de s'affirmer par rapport à ce modèle qui a été prégnant pendant longtemps en le brisant. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'en voulant le briser, ils sont obligés de l'intégrer. Donc en voulant le dépasser, ils sont de toute façon obligés de le connaître. Et c'est pour ça en fait que ça a perduré depuis l'Antiquité. L'agonie du vieillard Lao Cohen et de ses deux fils, étouffé par des serpents monstrueux, est un mythe si fort qu'il autorise toutes sortes de déclinaisons, jusqu'à cette œuvre contemporaine du photographe américain Witkin, où les hommes sont carrément remplacés par des singes momifiés. Plus prosaïque, ce bronze romain figure un jeune tirant une épine de son pied. Il est contemporain déjà de cette inquiétante figurine grecque et de ce personnage loufoque venu d'Asie mineure. Dans l'Antiquité même, vous voyez, ce mouvement existait que de faire revivre
de ressusciter des thèmes antérieurs et de les recréer d'une façon différente. Mélange saisissant d'objets, de styles et d'époques, une petite révolution pour le Louvre, preuve que l'art est vivant dès l'instant où il s'écarte des classifications académiques. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Les familles de deux victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob portent plainte pour empoisonnement, une première en France. Une information judiciaire sera ouverte pour déterminer les éventuels responsables en France et en Grande-Bretagne. Et puis une autre première judiciaire, la Cour de cassation indemnise un handicapé de 17 ans dont la mère n'a pas fait l'objet d'une interruption volontaire de grossesse thérapeutique, une décision basée sur l'erreur de diagnostic prénatal. Dans un instant, la météo Nathalie Rioux, puis le point route Valérie Maurice, 20h55 de Polar, Crime et Brigade, série française, 0h10 le dernier journal, présenté par Jean-Claude Renaud. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit le metteur en scène Roger Planchon. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.